La découverte de nouveaux matériaux fossiles de membres basaux de glire comme Gomphos a aidé à combler le fossé entre les rongeurs typiques et les lagomorphes, le groupe qui contient les lapins. Ils pourraient s'être séparés au début de l'Éocène. L'histoire évolutive des lagomorphes est encore mal comprise. Ils étaient certainement plus diversifiés dans le passé qu'aujourd'hui, et cela suppose qu'ils soient en déclin. Nuralagus était très gros parmi les lapins modernes. Ses traits uniques étaient probablement le produit d'un environnement insulaire, ne contenant aucun prédateur naturel. Les lièvres sont des animaux solitaires, mangeant des matières végétales, notamment en enlevant l'écorce des troncs d'arbres. Ils sont la proie de grands mammifères carnivores et des oiseaux de proie. Ce qui distingue les lagomorphes des rongeurs sont leurs dents. Derrière leurs incisives, ils ont deux petites dents vestigiales que les rongeurs n'ont pas. C'est une chose qu'il faut retenir concernant tous les mammifères. On peut distinguer n'importe quelle espèce seulement à partir de leurs dents. Le lapin européen a été introduit en tant qu'espèce exotique dans plusieurs environnements, souvent avec des effets néfastes pour la végétation et la faune locale, ce qui en fait une espèce invasive. Paradoxalement, ils sont en déclin dans leur aire de répartition d'origine, ce qui a causé le déclin de leurs prédateurs qui étaient fortement dépendants de ces petits animaux. Le rat top nu n'a pas de sensibilité à la douleur dans sa peau et a des taux métaboliques et respiratoires très faibles. Il peut vivre 32 ans. Sa longévité a été attribuée à la stabilité des protéines et il a une résistance élevée aux tumeurs et cancers, bien qu'il ne soit pas non plus totalement immunisé. Ces rongeurs vivent dans des terriers avec une organisation sociale très similaire à celle des fourmis et termites, avec une reine, des ouvriers, etc. Environ 40% de toutes les espèces de mammifères sont des rongeurs. La plupart d'entre eux sont des petits animaux au corps robuste, mais Hystricomorphe contient quelques rongeurs plus gros. Les porcs-épics sont des animaux bien bâtis avec une queue discrète. Les épines de la queue sont creuses et utilisées pour faire un bruit de cliquetis pour effrayer les prédateurs. On pense que cette espèce et ses proches parents sont originaires du sud de l'Asie. Josepho Artigasia est le plus grand rongeur connu. Il vivait dans les estuaires ou les deltas de fleuves, proche des forêts, et peut avoir mangé de la végétation molle. Sa force de morsure était trois fois plus puissante que celle des tigres modernes. Phoberomys était aussi un très gros rongeur, mais ses grandes formes de rongeurs ont disparu après la connexion entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Une nouvelle faune s'est installée au sud, entrant en compétition avec les gros rongeurs. Le seul membre vivant de ce groupe est le Pacarana, mais il a une taille plus modeste. Le capybara est le plus gros rongeur vivant. C'est un mammifère semi-aquatique que l'on trouve dans presque tous les pays d'Amérique du Sud. Bien qu'assez agile sur terre, capable de courir aussi vite qu'un cheval, ils sont également à l'aise dans l'eau. Ce sont d'excellents nageurs. Ils peuvent rester complètement immergés jusqu'à 5 minutes, une capacité qu'ils utilisent pour échapper aux prédateurs comme le jaguar. Le mara s'est bien adapté à un mode de vie dans les plaines ouvertes et les steppes. Avec ses longues pattes, sa clavicule réduite et ses organes sensoriels bien développés, lui permet de courir et de communiquer dans ces espaces ouverts. Les tucos-tucos vivent dans des terriers souterrains et ont un certain nombre d'adaptations pour ce mode de vie. La plupart des activités se déroulent le matin, l'animal élargissant le tunnel pour atteindre les racines et les tiges dont il se nourrit.
Les membres de la famille des chinchillidés, comme les viscaches et les chinchillas, sont herbivores et vivent en colonies pouvant compter jusqu'à plusieurs centaines d'individus. Les viscaches des plaines vivent dans de vastes réseaux de terriers dans les plaines où l'on dit que 10 viscaches peuvent manger autant qu'un mouton. Les viscaches de montagne et les chinchillas vivent dans les régions montagneuses escarpées où ils habitent les crevasses des rochers et sont des grimpeurs qualifiés. Après un intérêt initial pour les octodons communs en tant que sujet de recherche, ils sont devenus populaires comme animaux de compagnie, bien que jusqu'à récemment, ils étaient rarement trouvés dans les animaleries. Leurs avantages par rapport aux petits animaux traditionnels sont leur habitude diurne. Originaire d'Amérique du Sud, subtropicale et tempérée, le ragondin a depuis été introduit dans le monde entier, principalement par les éleveurs, pour leur fourrure. Mais ses comportements destructeurs en matière d'alimentation et d'enfouissement rendent cette espèce envahissante pour les cultures humaines dans la majeure partie de son aire de répartition. Ceratogolus est le seul genre de rongeur à cornes connu et le plus petit mammifère à cornes connu. Le rôle de ces cornes fait l'objet de nombreuses spéculations. Peut-être creusait-il avec ou faisait des parades nuptiales. Certains pensent qu'il les utilisait comme défense contre les prédateurs. Comme les cornes n'étaient pas sexuellement dimorphes, leur rôle dans la défense semble le plus probable. En élevant la tête dorsalement, les cornes seraient rabattues vers l'arrière, protégeant les zones les plus couramment attaquées par les prédateurs. Les chiens de prairie à queue noire sont originaires des prairies en Amérique du Nord. Ils ont été appelés ingénieurs des écosystèmes en raison de leur influence sur les caractères biotiques et abiotiques de leur habitat, de l'architecture paysagère et de la fonction écosystémique. L'écureuil terrestre de Dorian vit dans les plaines ouvertes. C'est une espèce coloniale, creusant des terriers relativement simples qui n'ont généralement que deux trous d'entrée. En Europe, le nombre d'écureuils roux a considérablement diminué ces dernières années. Ce déclin est associé à l'introduction par les humains de l'écureuil gris d'Amérique du Nord. Les écureuils roux qui survivent à leur premier hiver ont une espérance de vie de 3 ans. Le tamia grimpe aux arbres, mais construit des nids souterrains avec de vastes systèmes de tunnels, souvent avec plusieurs entrées. Le nom chipmunk vient du mot obijui ajidamu, qui signifie celui qui descend des arbres tête baissée. Une caractéristique distinctive des écureuils volants est la membrane de peau ou patagium, un lambeau de peau qui s'étend entre les pattes avant et les pattes arrière. En étendant cette membrane, l'écureuil volant peut glisser d'arbre en arbre sur une distance de plus d'une centaine de mètres.
Une hypothèse possible pour l'explication évolutive du vol plané est liée à l'efficacité énergétique. Le vol plané est un moyen énergétique efficace pour passer d'un arbre à un autre tout en cherchant de la nourriture. Par opposition au fait de descendre d'un arbre ou d'effectuer des sauts parfois périlleux dans les airs. La découverte du paléocastor vient de la découverte des terriers en tire-bouchon dans les plaines du Nebraska, de formation souterraine de la taille d'un arbre. Sa forme de base est une spirale allongée de terre durcie qui s'enfonce dans le sol jusqu'à 3 mètres de profondeur. Une différence majeure entre le castor géant et le castor moderne est que la taille de son cerveau était proportionnellement plus petite. En conséquence, les castors géants peuvent avoir eu une interaction bien moindre sur leur environnement, ainsi que des schémas de pensée et de comportement moins complexes. Les étangs créés par des barrages bien entretenus aident à isoler les maisons des castors, appelées huttes. Celles-ci sont créées à partir de branches coupées et de boues. Ils construisent également des canaux pour faire flotter des matériaux de construction difficiles à transporter sur Terre. Ils utilisent leur puissante incisive pour couper les arbres et les autres plantes qu'ils utilisent à la fois pour la construction et pour la nourriture. Les castors, ainsi que les spermophiles et les rats kangourous, sont des rongeurs castorimorphes, un sous-ordre de rongeurs principalement limité à l'Amérique du Nord. Pedetes capensis ressemble à un petit kangourou avec des pattes postérieures bien développées, ce qui lui permet de sauter à plus de 2 mètres en un seul bond. Ils sont principalement nocturnes, mais sont parfois actifs dans la journée, sinon, ils vivent dans des tunnels qu'ils creusent. Ces gerboises nocturnes se déplacent à travers leurs habitats désertiques secs avec de longs sauts, leur queue bien plus longue que leur corps servant pour l'équilibre. Elles vivent dans des terriers généralement creusés sous de petits buissons. Il s'agit du plus petit rongeur du monde. Comme pour beaucoup d'autres petits mammifères, l'évolution des muridés n'est pas bien connue, car peu de fossiles survivent. Ils ont probablement évolué à partir d'animaux ressemblant à des hamsters en Asie tropicale au début du Miocène et n'ont produit que par la suite des espèces capables de survivre à des climats plus froids. Le nombre de hamsters dorés a diminué en raison d'une perte d'habitat causée par l'agriculture et d'une élimination délibérée des humains, les considérant comme nuisibles. On trouve souvent des hamsters nains sur le marché des animaux de compagnie en Europe et en Amérique du Nord. Comme la plupart des rongeurs, ils sont sujets aux tumeurs. Dans la nature, la fourrure de ce hamster change de couleur en hiver pour échapper aux prédateurs avec le camouflage. Les lemmings se trouvent principalement dans la toundra ou à haute altitude. Les populations peuvent fluctuer considérablement et des migrations massives ont lieu. Cette migration massive est probablement à l'origine du mythe selon lequel les lemmings se suicident en masse. Mais cette idée vient d'un documentaire des années 70 qui avait mis en scène un suicide collectif de lemmings en les poussant du haut d'une falaise.
On pense que le rat brun est originaire du nord de la Chine. Il s'est maintenant propagé sur tous les continents, à l'exception de l'Antarctique. Et il est devenu le rat dominant en Europe et dans une grande partie de l'Amérique du Nord, ce qui fait de lui le mammifère le plus prospère de la planète aux côtés des humains. Les rats noirs et bruns ont divergé des autres rats de l'Ancien Monde au début du Pléistocène, dans les forêts d'Asie. En raison des démonstrations évidentes de leur capacité à apprendre, les rats ont été étudiés tôt pour voir s'ils présentaient une intelligence générale. Et c'est le cas.